Salut tout le monde. Alors là, il est 8h40. Je suis à Paris dans un hôtel 4 étoiles et je me suis dit pourquoi pas filmer ma routine de youtubeuse. Donc là, ça y est, je me suis brossée, etc. Donc ce que je fais en ce moment, c'est que j'aime bien mettre de l'eau micellaire avant de me maquiller. Donc là, je mets make-up, j'hydrate bien ma peau et on passe à notre make-up. Si vous voulez savoir ce que je mets, je vous invite à regarder ma nouvelle make-up routine. Après, voilà, je vous rassure, ça se passe pas tout le temps comme ça, parce que voilà, on est aussi comme vous, des fois, il y a des matins, on a vraiment trop la flemme de se réveiller, on n'a pas la force de se maquiller, il y a des jours carrément, on fait rien, parce qu'on est fatigué, on a la flemme de tout, mais là, je parle vraiment en général ce que je fais, et là, j'ai voulu filmer dans un hôtel, puisque je me suis dit, voilà, pourquoi pas, ça change de chez moi, et j'aimais trop la salle de bain comme elle était, donc c'est pour ça. Donc là, je suis passée à l'étape coiffure. Je porte une perruque de chez Mega Look Hair. Donc, c'est une loose deep wave. Donc là, je la pose. À la base, je voulais faire des boucles, mais j'avais trop la flemme. Franchement, j'avais trop la flemme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posée. Ensuite, j'ai défini les boucles avec ma mousse. Donc, toujours la best mousse. Je prends ma mousse de chez Olive Oil. Donc je vais venir la poser aussi pour plaquer un petit peu mes cheveux parce que je trouvais que la perruque elle était un peu gonflée sur le dessus. Donc c'est pour ça que j'ai ramené mon peigne chauffant. Vous pouvez voir derrière, ça me fait une grosse tête, j'avais trop le seum. Donc on n'oublie pas l'étape des baby hairs. Là je sais c'est le ghetto, j'ai utilisé ma brosse à sourcils pour faire mes baby hairs parce que j'avais carrément oublié ma brosse à dents. Donc là je remets de la mousse pour bien redéfinir mes boucles. Donc là en fait je me coiffais parce que je devais filmer mon haul au poly. Donc c'est pour ça que je suis en train de me préparer. Et aussi cet hôtel en fait il a été pris principalement pour filmer des vidéos. J'avais pris un hôtel spa aussi pour profiter avec ce monsieur là qui vient de déranger ma vidéo. Et voilà. Donc là, l'étape du peigne chauffant, c'est terminé. On fait les dernières petites modifications, les finitions, etc. Et là, je suis prête pour commencer ma journée. Donc ce que je fais après m'être préparée, je check toujours mes mails parce que à chaque fois que je me réveille, j'ai des tonnes de mails, sachant que je suis toute seule, je ne suis pas en agence, donc je gère vraiment tout toute seule. Donc le matin, je prends un petit moment pour checker à qui j'ai répondu, à qui je n'ai pas encore répondu, mes nouveaux mails, etc. Donc voilà, ça me prend une vingtaine de minutes, voire 30. Et ensuite, je peux passer à ma journée. Donc là, moi, pour cette journée-là, je devais quitter mon hôtel avant midi. Donc mon copain était déjà parti. Et voilà, j'espère que cette petite routine de youtubeuse vous a plu. Et voilà, qu'on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Mouah.